Médaillon Valuant. Ça a l'air sympa. Comment est-ce possible? Je ne serai pas vaincu. Votre règne de la terreur est terminé. Je ne pense pas. Vous avez peut-être gagné la bataille, mais j'aurai ma revanche. Hein? La passerelle? Bon idiot, quand comprendrez-vous que je suis invincible? Je vais tous vous exterminer jusqu'au dernier. Ah, d'accord. Le haut de son vaisseau, il peut se barrer. Salaud! En plus, il y a des armes sur le haut, donc il peut se défendre. Je pensais qu'il était trop arrogant pour avoir une nacelle de secours. Viz, il s'enfuit! Il faut faire quelque chose! S'il s'échappe, il repartira à Soltis et nous ne pourrons jamais l'arrêter. Les autres pirates sont occupés à combattre l'armada. Hein? Hey! Qu'est-ce que c'est? Ah! C'est le navire de Bélézard! Ah! Hey! Quelque chose ne tourne pas rond. Non, tu ne crois pas? Ça sent un peu la rupture, un peu difficile entre deux. Seigneur Galsion. Bélézard, vous avez survécu à l'attaque de Valua. Seigneur Galsion, tant d'innocents sont morts, pas votre faute, des femmes et des enfants sont morts dans les rues après avoir perdu tout leur sang. En tant qu'amiral de l'armada, je me sens aussi responsable de leur mort que vous. Goodbye, my love. What? Ah, lui rentre dedans direct. Je pensais qu'elle allait tirer. Elle se suicide avec lui, quoi. Roméo et Juliette, quoi. Ah. Enfin, perso, je vois pas trop comment le vaisseau de Bélézard, rien qu'en lui rentrant dedans, peut savoir crasher. C'est pas les moteurs, donc techniquement, même si tout l'avant est explosé, il devrait toujours continuer à voler, quoi. C'est pas très logique, mais bon. Voilà. Pauvre Bélézard. C'est triste. Elle a sacrifié sa propre vie pour arrêter Galsion. Oh, Bélézard. Bon, bah, il n'y a plus qu'à arrêter Ramirez maintenant. Olé, hola, c'est Ramirez. Oh là, oh là. Seigneur Garcian, je vous vengerai. Il va devenir un super saiyan, ça y est.
Non, mais il avait un regard un peu à la Cholène, quoi. Mais et ça paraît quelque chose de terrible. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça clignote? Non, Ramirez va encore se servir des pluies de la destruction. Nous ne pouvons pas l'arrêter! Ramirez, je t'en prie. Ancien! Oh non! Qu'est-ce qu'il y a, Fina? Fils, regarde! Ouais? Le temple d'argent? Et ben quoi? Bina, nous habitons à Soltis avant. Nous avons créé à partir de rien. Et à présent, il faut le détruire. Pendant des milliers de générations, nous avons jugé les habitants de ce monde. Tout ce que nous avons créé, Soltis, Zelos, les pluies, nous l'avons fait parce que ces gens ne répondaient pas à nos attentes. Mais nous avons peut-être tort. Fina, en faisant confiance aux habitants de ce monde, tu nous as beaucoup appris. La poupée de Fina. Nous t'avons envoyé ici pour détruire le monde. Mais maintenant, nous allons t'aider à le sauver. Inutile d'être triste. Si nous n'avons pas créé les pluies de la destruction, le monde ne serait pas en danger. S'il te plaît, pour l'avenir de ce monde, tu dois gagner. Compte faire quoi? Par rapport à votre vaisseau, Solti, c'est un peu gros quand même. Ok. Je peux comprendre la logique que le machin il résiste parce que ça, c'est la même truc. Ah oui, quand même. Ils se sont sacrifiés. Mais bon, en gros, ils ont bouché l'entrée du canon, quoi. Donc il n'y a plus de canon pierre de lune. Enfin, plus de canon... plus de destruction, quoi. C'est ça que j'ai compris ou... Où il peut encore faire feu. Ah, le bouclier est parti, d'accord. Ouais. Fina. Les anciens, ils ont fini par croire en l'avenir. Ils se sont sacrifiés pour nous donner une chance de sauver le monde. Je ferai en sorte que leur sacrifice ne soit pas inutile. Mon garçon, le moment est venu d'aller à Solti. Hein? Capitaine Drachma? Nous avons vaincu l'Armada. La plupart des navires ont pris la fuite après la destruction de l'Hydra. Le moment est venu d'aller à Soltis, mon garçon. Regarde là-bas. Oui? Quoi?
L'île du Temple ? C'est parfait. Alors, l'île du Temple faisait partie de Solstice, hein ? Vous pouvez peut-être entrer dans Solstice en passant par là. Bah, je vous accompagnerai. Je suis peut-être vieux, mais je me bats mieux que la plupart des hommes. Les autres peuvent rester à bord. Si quelqu'un veut être remplacé, revenez ici. Vraiment ? Nous serons honorés, capitaine, si vous nous accompagnez. Biz, il faut bien se préparer avant d'y aller. Il ne faut jamais se précipiter dans une bataille. Je sais. Merci, Gilder. Allez, tout le monde, préparez-vous. Nous retournons sur l'île du Temple. Non, c'est pas ça du tout que je voulais faire, c'était le pont. Je veux Drachma dans mon équipe. Rien que pour lui équiper les... Drachma. Je sais plus, il faut parler à qui ? Non, pas à Pupiu. Pas à Popo. Je sais plus à qui il faut parler. Pour changer d'équipe. Oui. À la table, non. Je sais plus. C'est dans le vaisseau, c'est ça? Je sais plus. Il me semble pas que c'est par là. On peut tester, mais il me semble pas. Non, il n'y a pas l'air d'avoir Drachma. Et il est où? C'est bizarre. Alors, soit je suis passé à côté et je suis aveugle. Fina. Attends, il dit quoi j'allais dire le tuto. Il dit quoi? Attends. Notez qu'à partir de maintenant, vous pouvez choisir votre quatrième équipier en allant lui parler sur la passerelle du Delphinus. De nouveaux monstres ont fait leur apparition avec le nouveau continent. D'accord. Oui, mais moi, je veux parler, par exemple, à Drachma, par exemple. Ou même Henrik. Bah je sais pas. Ouais. On m'avait pas laissé un objet, attends, je regarde. Il m'avait laissé quoi? Médaillon, voilà, c'est ça, un médaillon valuant, je sais plus quoi là. Médaillon valuant. Médaillon enchanté porté par les officiers, annule les sorties sièges, Eternis. Ok. Pas forcément le meilleur truc, mais bon. On va sauvegarder. Puis je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que par rapport à la carte, on a plus ou moins fait ça. Mais je comprends pas pourquoi. Normalement, je suis censé faire ça. Je fais le pont, je vais sur la passerelle. Et je suis censé trouver mes copains. Pourquoi je vois pas mes copains? Je crois Henrik. Ah non, ça y est, je sais où est Drachma. Enfin, je sais où est.
je crois Henrik, il est sur la vigie. Et Drachma est sur le pont. Enfin, le pont là où on fait les combats. Là. Et Gilder, comme il est dans mon équipe, il se trouvera dans la... dans le truc des équipages. Voilà, c'est pour ça. Là, il y a Henrik. Et là, il y a Drachma. Voilà, c'est ça. Vous dites que vous... Vous dites que vous allez sur ce continent. Oh là là, je me demande si vous manquez pas de quelques pierres lunes dans le ciboulot. Mais si vous insistez pour que je vous accompagne, je viendrai. Oui, ce serait bien. Oui, ce serait formidable que vous veniez avec nous. Nous pourrons nous servir de votre bras pour fêler quelques crânes. Feu. Bon, je vais venir avec vous. Je ne pensais pas que je me rebattrai un jour à vos côtés. Drachma vous a rejoint. Ok, c'est ça que... Voilà. Alors, super attaque. Alors, concentration, en fait, ça coûte 0 et ça me donne 10 points de... 10 points, gratuit. C'est sympa. Il est niveau 38. Ah, il est peut-être un peu bas. Je regarde juste le prochain ennemi. C'est quoi ça? Les prochains ennemis... alors, attendez, je regarde. Ça serait bien qu'on ait Henrik pour le boss, en fait. Je suis en train de regarder. Donc, il me faudrait Henrik. Et puis, avec Henrik, on s'entendait bien. Viz, me permettez-vous de vous accompagner à Soltis? Bien sûr. Bien sûr que vous pouvez venir. Sans vous, nous n'aurions jamais mis la main sur le Delphinus. Allons-y. Merci, Viz. C'est un honneur de vous accompagner. Voilà. Ben voilà, je ressors, je sauvegarde et puis je pense qu'on va s'arrêter là. Hop. Alors peut-être, alors je dis bien peut-être, c'est pas sûr. Je regarderai parce que dans plus ou moins, j'allais dire le tuto, dans la fiche d'aide, ils me disent qu'il y a 3 nouveaux ennemis. Mais je sais pas où ils se trouvent. Donc voilà. Donc je sauvegarde et puis je... Je verrai en off si j'ai le temps de faire un peu d'entraînement ou pas. Voilà. Hop, on sauvegarde et puis c'est bon. Comment ça, espace aérien, Rixis ? Rixis ? C'est là. Non, moi, je suis espace aérien de... Bref. Sur ce, je vous dis merci à tous d'avoir été présents sur le live. Et puis, bah, je vous dis... attendez, on est quoi? Dimanche? Bah, à demain pour de nouvelles aventures. Sur ce, merci à tous et à la prochaine.